Monsieur Étienne Moïse, papa président de la République là. Monsieur Jout, salue mémoire et Monsieur Sa, qui était attaché à pays, à idéal changement, à progrès. Dans circonstance ça, Premier ministre là, il a adressé à nos gouvernements condoléances à Tristelli, à famille présidentielle là, particulièrement à chef l'État, Monsieur Jovenel Moïse, Madame Li, Première Dame là, Martine Moïse, approche Lio, Zami défunt qui éploré à cause disparition si là. Nous présentons sympathie et condoléances à tout le monde qui est affecté par de ça et à président République là et à famille, perdre un parent n'est jamais facile. Oui, exactement. L'autre information, eh bien, ça concernait ça qui est incident qui arrivait dans l'école normale supérieure samedi vendredi et samedi et incident qui la cause la mort étudiant Grégory Saint-Hilaire avec en pile réaction après la mort étudiant et gagnait un groupe professeur dans l'université de l'État, une centaine de professeurs qui dit responsabilité Zaxa, c'est gouvernement qui porte li qui encore une fois montrer mépris li et par rapport à droit pour mon exister et droit pour mon revendiquer et dans tout secteur dans la vie nationale là et qui montre tout et incompétence li pour répondre à revendication mon yo donc c'est position une certaine professeur dans l'université l'État qui dans une note dit yo condamné à toute force yo et attaque ça qui orchestré dans l'école normale supérieure et yo longé doit sous agent sécurité par le national qui yo dit assassiné de façon lâche avec un balle dans dos étudiant Grégory Saint-Hilaire dans soirée vendredi. Dans soirée vendredi, donc pour professeur Sayo, qui est dans l'association professeur université l'État, en rien pas justifié Zaxa, qui est inqualifiable, mais qui la cause de la mort et étudiant Grégory Saint-Hilaire, yon babare comme ça, et pas gen nom, d'après sa professeur Yodi, gen direction école normale. Voilà, la direction, c'est presque une soixantaine de professeurs qui sont Oui, sont centaines, sont près de, en fait, association donc on centaine presque une centaine professeurs et qui signe notre ça et gain toute direction école normale qui avait me dit vraiment affecté à cause assassinat étudiant dans enceinte institution même et eux même tout dans de soi agent UGPN responsable école normale yo yo rappelé et agent et ça fait plus pas son foi agent et dans unité ça a exercé brutalité et sous monde étudiant qui a fréquenté institution et en moins passé un an et 20 novembre 2019, 13 mars 2020 et 2 octobre, fait des violences sous espace là, sous monde qui a fréquenté espace là, d'après ça qui dit dans notre école normale supérieure. Bonjour, bonjour. Bonjour, et qui signe par trois professeurs, nous parlons d'un l'un comme invité, professeur Bérard Senatus, et qui signe par professeur Dussel, près de lui, c'est professeur Alvarez, lui, tous deux membres de la commission en direction 1. Il finit notre là, et il dit, et vous dites là, cet acte crapuleux a été commis de façon délibérée en toute quiétude, assurée que sont les agents de leur impunité. Aujourd'hui, les crimes sont banalisés dans les quartiers populaires, les maisons privées comme dans l'enceinte d'un espace universitaire. C'est un comble. La direction appelle à la mobilisation de toute la communauté universitaire et de toute la nation pour rendre justice à Grégory Saint-Hilaire et à sa famille et mettre un terme à ce régime sanguinaire, c'est ça, professeur Yo dit dans notre temps. En dedans de qu'on y a la maman Grégory Saint-Hilaire qui devant quoi, qui était inconsolable. Et bon, au monde qui parent, on va comprendre ça. Lui expliquer misel passé sac sale, l'hypoté sac sale. Okay. Oui, en pile sac qui sale. Okay. L'hypoté pour qu'il capable de faire l'évasion de ce garçon là. C'est troisième visite, 29 ans, et mais ça a remettre là, une jeudi, en dans des parties dans cri, maman et étudiant Grégory. La
Voilà, maman Grégory inconsolable devant cadavre petite li dans l'école normale supérieure. Commissaire gouvernement Port-au-Prince a annoncé et ben lui-même en tant que ancien école normale supérieure et il va faire tout possible pour que lumière faite sur dossier ça, il a déjà demandé médecin légiste pour faire autopsie corps pour information et demandé à DCPJ tout pour ben enquête sous Zach assassinat ça qui fait vendredi soir sous jeune étudiant Grégory Saint-Hilaire. Président Antou, il fait un tweet d'Agnès. Oui, président, il fait un tweet, il dit la mort de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire soulève l'indignation de tous. Je réaffirme ma foi au principe qui en est un de trop. C'est ça, président, il dit ce qu'on tweet. La mort, son décès, c'est un homicide. C'est un assassinat. C'est un assassinat. Ouais, c'est décès, président. Dit. Oui, c'est décès lui-même. C'est décès. Le président non, d'accord avec justement le président pas dit ben la genre là parce que c'est pas comme on a dit au digital il était malade il est mort ou bien il font accident c'est cartouche vide et au longer doit étudiant au longer doit sur monde qui t'a dit ça étudiant dit c'est agent USGPN qui fait ça. Bon, maintenant Jean Comisa gouvernement pour récent dit il y a enquête qui va le mener balistique sur cartouche là dans quoi étudiant c'est toujours dans le toujours pour capable ouais et côté ça sorti même d'a souligner ça tout à l'heure là responsable école normale supérieure dit c'est de temps en temps lorsque il y a un mouvement de protestation dans zone là et ben agent USGPN toujours fait attaque sur eux mettez voyant en pile gaz lacrymogène et pendant n'a dit ça dans zone côté l'hôpital général et tout dans même moment de gagner un pile gaz lacrymogène qui était entré dans l'hôpital là qui toujours victime l'hôpital général qui toujours victime et maternité a été trouvé dans situation mais vraiment déplorable avec un pile gaz lacrymogène policier était dans cette zone là qui était le bail problème dans maternité et l'hôpital général. Il y a plusieurs mois, c'est un confrère qui a filmé une image sur les réseaux sociaux. Quand on a un agent USGPN, M14 dans mes lits, il braque M14 li, il tire. Oui, tire. Oui, oui, oui. Mais ça, on a quitté. Non, école normale. Normal. C'est okay. Ton premier. Et ça a été choqué en pile monde, mais pour qu'on ait pas de con, pas de cape. Pas de arriver dans le niveau ça. Heureusement, dans le moment ça, on a un fusil M14 dans mon kit de cartouche. Et 762 mm. Et puis, on a plagué comme ça, nous, côté, comme si ce n'était pas un ZAM capturé en face. Et clairement, on a une disproportion dans l'usage de la force. Et maintenant, moi, on a tout des images. Mais là, intention pour tuer. Parce que vous avez des âmes qui sont dans mon. Vous tirez à hauteur d'homme dans l'espace, ça, tout peut arriver. Vous avez des âmes qui sont dans mon entour.
Et moi, on voit tous des photos qui partagées par des confrères qui font un travail impayable et qui utilisaient comme support de diffusion, comme médium et Facebook et d'autres médias sociaux, qui montraient des images où mon policier, une unité anti-émeute, qui a pris un trou, on galil lui-même en dedans, en barrière. Et bon, il y a des images là, l'offre addition, il y a tout much qui. Ville, on trop plein par rapport à sa cap fait là et il y a nécessité pour nous rappeler que médecin d'ordre, qui ça médecin d'ordre fait avec fusil FLG, fusil lance-grenade, il fait avec bouclier, il fait avec sommation, il fait avec gaz lacrymogène, mais là encore une fois, utilisation de gaz lacrymogène, nous voyons ça baille, on a vu les images ce week-end de bébé qui en détresse respiratoire, qui prend gaz et. Somme bagaille ça au week-end, non, mais vraiment, c'était un petit genre trop. Et monsieur Étienne Moïse, papa président de la République, là, monsieur Jout, salue mémoire, et monsieur Saha, qui était attaché à pays, à idéal changement, à progrès. Dans ces circonstances, premier ministre, là, il y a adressé à non gouvernement, condoléances à Tristeli, à famille présidentielle, là, particulièrement, à chef l'État, monsieur Jovenel Moïse, madame Li, première dame, là, Martine Moïse, approche Lio, zami défunt, qui éploré à cause disparition, si là. Nous présentons sympathie et condoléances à tout le monde qui est affecté par de ça et à président de la République là et à la famille. Perdre un parent n'est jamais facile. Oui, exactement. L'autre information, eh bien, ça concernait et incident qui arrivait dans l'école normale supérieure samedi vendredi et samedi, et incident qui la cause de la mort étudiant Grégory Saint-Hilaire, eh bien, en pile réaction après la mort étudiant. Et gagné un groupe professeurs dans l'université de l'État, une centaine de professeurs, qui dit responsabilité ZAXA, c'est gouvernement qui portait li, qui encore une fois montré mépris li et par rapport à droit pour moun exister et droit pour moun revendiquer et dans tout secteur dans la vie nationale là et qui montre tout et incompétence li pour répondre à revendication moun yo. Donc c'est pour position une centaine de professeurs dans l'université de l'État. Qui dans une note dit yo condamné à toute force yo et attaque ça qui orchestré dans l'école normale supérieure et yo longé doit être sous agent sécurité par le national qui yo dit assassiné de façon lâche avec un balle dans dos étudiant Grégory Saint-Hilaire dans soirée vendredi. La soirée vendredi, donc pour professeur Sayo, qui est dans l'association professeur université l'État, en rien pas justifié Zaksa, qui est inqualifiable, mais qui la cause de la mort et étudiant Grégory Saint-Hilaire, yon babaré comme ça, et pas guénon, d'après sa professeur Yodi, gen direction école normale. Avant la direction, c'est presque une soixantaine de professeurs qui sont Oui, c'est une centaine, sont près de, en fait, association, donc disons presque une centaine de professeurs et qui signe notre ça et gagne toute direction école normale qui avait dit ou vraiment affecté à cause assassinat étudiant dans enceinte institution même et yo même tout le d'autres soit agent USGPN responsable école normale yo rappelé et agent et ça fait plus pas son fois agent et dans unité ça a exercé brutalité et sous monde étudiant qui a fréquenté institution et en moins passé un an et 20 novembre 2019, 13 mars 2020 et 2 octobre, fait des violences sous espace là, sous monde qui a fréquenté espace là, d'après ça qui dit dans notre école normale supérieure. Au bonjour. Bonjour, et qui signe par trois professeurs, nous parlons d'un l'adéo comme invité, professeur Bérard Senatus, qui signe par professeur du seul. Après de lui, c'est professeur Alvarez, lui, tous deux membres de la commission en direction 1. Il a fini notre là et il dit, ou se dit là, cet acte crapuleux a été commis de façon délibérée en toute quiétude,
assurés que sont les agents de leur impunité. Aujourd'hui, les crimes sont banalisés dans les quartiers populaires, les maisons privées comme dans l'enceinte d'un espace universitaire. C'est un comble. La direction appelle à la mobilisation de toute la communauté universitaire et de toute la nation pour rendre justice à Grégory Saint-Hilaire et à sa famille et mettre un terme à ce régime sanguinaire. C'est ça, professeur Yo, dit dans notre là. En dedans de qu'on y a la maman Grégory Saint-Hilaire qui devant quoi, qui était inconsolable. Et bon, on monde qui parent, on comprend ça. Les expliquer misère passée.